seront l'étape à décider d'organiser un tournoi féminin senior en foot à 11 pour promouvoir le football féminin, dans un premier temps dans les Vosges et bien sûr en Lorraine, car ce tournoi est au profit de l'association pour l'intégration sociale des personnes qui ont une trisomie 21 et handicap associé. Ce tournoi est aussi à mon initiative personnelle, puisque j'ai une petite fille qui est trisomique. Partant de cela, j'ai voulu que cette journée soit une journée de partage, d'échange, et c'est ce qui s'est passé depuis le début du tournoi. Toutes les équipes se sont prises au jeu, ont répondu aux questionnaires qu'on leur a donnés, et n'hésite pas à échanger et à partager avec toutes les personnes qui ont une trisomie 21 et qui sont présentes ce jour au stade Paul Gasset. Ben, la Ligue est présente parce qu'il n'y a pas que la pratique du football, il y a aussi l'esprit de solidarité que doit avoir le monde des Valides vers le monde des gens touchés par des événements ou touchés par des situations physiques qui ne doivent pas les éloigner du jeu et de l'esprit de la vie associative. Puisqu'on est à la première édition, je voudrais bien sûr mettre en valeur le grand texte et surtout l'initiative de Delphine Rondeau, qui bien sûr est concernée en premier lieu en tant que maman concernée, mais aussi de dire qu'on doit pouvoir apporter un peu de bonheur. Et le thème « Vivre ensemble », il a toute sa signification. Je veux dire, ben, il n'y a pas d'un côté les gens qui peuvent évoluer autour d'un terrain et sur un terrain, et ceux qui sont marginalisés, il n'y en a pas le droit. Et le sport et le football en particulier doivent se montrer, je dirais, là, très convaincant. Et la Ligue est un partenaire et associé et soutiendra cette initiative. Et au contraire, elle doit la valoriser. J'espère que cette première édition, il y en aura d'autres qui suivront, avec un public beaucoup plus concerné, beaucoup plus festif. Allez, on y va du coup. Allez, Nico.